Salut la team royale B. Résumé de cette semaine d'entraînement. Séance 1, fractio en Étrurie. Séance 2, fartlek dans la boue. Séance 3. S'il y a un truc à voir dans cette vidéo, c'est la séance 3, je vous promets du très beau. Séance 3. Panoramique. Waouh, c'est incroyable. J'allais dire, c'est incroyable. Comme j'entends beaucoup de gens le dire, notamment le S, c'est incroyable. Tu vois, j'ai pas. Oh, c'est une pause, tiens. Une pause paysage. J'ai pas envie de dire c'est incroyable, j'ai envie de dire tout simplement c'est très beau. Je commencerai par faire état de ce petit souci qu'il y a eu avec la dernière vidéo. Et je crois que le mieux placé pour en parler, c'est Greg. Greg qui a lancé sa chaîne YouTube, dans laquelle il vous fait visiter le Périgord, sous la pluie, sous la grêle, dans la boue, et qui, c'est gentil, a une pensée pour moi. Chaque fois qu'il voit une paroi, il me la montre en me disant, tu vois, il faut que tu viennes en Périgord, non seulement tu vas faire du trail, mais en plus tu vas faire de l'escalade. Merci Greg. Bon, salut Franck, je me permets de t'envoyer une vidéo, c'est quoi cette histoire là? Je suis pas loin de me mettre en colère tout rouge. Je me dépêche là de mettre le premier commentaire tel le Speedy Gonzalez. Au final, tu oublies d'activer les notifications des commentaires. Et t'as toute ta petite armée là, de Royal Bee qui se dépêche de mettre premier. Et moi, je veux que justice soit rendue. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, c'est moi le numéro uno et je le resterai en 2024. Bon, je vous taquine. Bon, allez, une bonne année 2024 à tout le monde. Des gros bisous et soyez sportifs. Cela ne vous a pas échappé, mais lors de la publication de la dernière vidéo, Ultra Trail Entraînement Cycle 1 Semaine 2, beaucoup de membres de la Team Royal Bee ont cru qu'ils étaient les premiers à commenter. Oui, je suis désolé, je vous présente toutes mes excuses. J'ai oublié lorsque j'ai enregistré la vidéo, lorsque j'ai téléchargé la vidéo sur YouTube, de décocher la case modération des commentaires, tout vérifié. Voilà, c'est celle-là. Oui, parce que la présentation a un peu changé, peut-être depuis 2-3 mois, je sais plus. Et avant, systématiquement, bon, les commentaires sont activés, mais vous avez différents types de modération. Vous avez une modération où il n'y en a pas, c'est zéro modération. Vous avez standard, vérifier les commentaires potentiellement inappropriés, puis strict, et puis tout vérifier. Alors, tout vérifier, il n'y a aucun commentaire qui apparaît. Tu peux faire ton commentaire, mais aucun n'apparaît parce qu'il faut que j'aille vérifier pour les valider ou pas. J'ai moi-même été surpris en constatant que il n'y avait pas de commentaire sur cette vidéo. Quand je m'en suis aperçu, j'ai compris que j'avais oublié de faire cette manip. Et donc, la manip, c'est standard. Hop, tu cliques standard, tu décoches la case tout vérifier qui est coché par défaut sur YouTube, tu mets standard et là, bon, il y a une modération et puis surtout, tous les commentaires apparaissent. Je présente vraiment toutes mes plus plates excuses aux membres de la communauté et en premier lieu à Greg. Je suis désolé. Ça se reproduira peut-être, hein, puisque il suffit d'être un peu fatigué pour louper. Pour louper ce gauchage, décochage. Et j'enregistre. Voilà, enregistré. Première séance de la semaine. Vélo d'appart. Donc, je suis parti pour faire une série de fractions. 15 minutes de chauffe. Je suis à la fin de mes 15 minutes de chauffe. Une première série, 10 minutes de fractio, 30-30, 30 secondes, haute intensité, 30 secondes, allure sportive. À l'issue de cette première série, 5 minutes de cool. Et puis, on repart sur une série de 10 minutes. Et je termine avec un retour au calme de 10 minutes, plus les 2 minutes que mon petit vélo d'appartement, qui est assez simple. C'est pas une insulte, Coco, c'est la réalité, t'es un peu simplée. Les 2 minutes de cool qu'il me donne à l'issue de ma série. Donc j'ai programmé 50 minutes, j'ai pris le programme plat et toutes les minutes j'ai augmenté la résistance. À la 8e minute j'étais au maximum. Alors ils proposent différents programmes, hein, des programmes en pyramide, genre plateau de Gizeh, des programmes en pic, un peu comme ça, exactement comme ça. Et non, il faut prendre le plus simple et monter régulièrement. Attention, je suis à 3 secondes, 1 seconde, c'est parti. Ah, c'est cool, hein. Non, je dis c'est cool le doc que je regarde sur les Étrusques. Passionnant. Ah.
fin des 30 premières secondes. Donc je garde un rythme d'allure sportive, comme si j'étais sur un rythme assez rapide, en courant. Position des pieds sur le pédalier médio, c'est-à-dire en pointe. Vraiment la partie avant du pied. Plante avant du pied orteil. Et c'est reparti. Bon, vous avez compris le principe. Je vais faire ça tranquille. Et puis, on se revoit pour la période cool entre les deux. Gibus, il va pas être content. Il va pas être content, Gibus. Mais j'ai pas le choix. J'en ai quatre comme ça. Faut bien que je les mette. Le Kera, j'en ai qu'un seul. Voilà. Je suis à la fin de la première série. Et je vais faire mon dernier 30-30. C'est parti. Alors là, je suis chaud. Je peux pousser aussi fort que je veux. Il y a un truc qui est pas mal aussi à faire. Bon, vous allez, si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez voir que j'ai un magnifique short de plage. Modèle un peu tahitien. Ou Floride peut-être, je sais pas. Et un truc pas mal à faire, c'est ça, vous redressez et vous mettez les mains comme vous étiez, comme si vous étiez dans une montée du Grand Raid, en train de pousser sur le genou. Voilà, alors c'est fini pour la partie en haute intensité. Là, je suis sur l'allure sportive avant le repos. Donc je le fais bien jusqu'au bout. Je relâche pas, je suis pas en cool. Pas encore. Je suis pas encore en cool. Je suis arrivé sur le cool dans 2 secondes. Une, je suis sur le cool. Je suis sur le cool, qu'est-ce que je fais? Je vais baisser. Voilà, je vais retomber sur du... Je crois que j'ai mis 5 ou 6 là. Allez, 5. Et je mouline. Mais alors je mouline, vraiment. Hein. Je suis dans le vide, en fait. À 4, là, 4, 5, la résistance par rapport à l'effort précédent, elle est... C'est comme s'il n'y avait rien. Et je vais tranquillement mouliner jusque sur les 3 premières minutes de cette période cool. Et à partir de la 3e, je vais remonter de 2 barres chaque fois pour atteindre à nouveau ma résistance max au moment où je vais me lancer sur ma dernière série de 10 minutes, 30 secondes, fois 30 secondes. Voilà. Il n'y a plus qu'à profiter. Il faut que je prenne une serviette, là. Prochaine vidéo, je prends une serviette parce que... C'est terrible, tu transpires. Tu transpires. Ah oui, un truc, quand tu fais l'effort, là, quand tu es sur les 30 haute intensité, moi, ce que j'aime bien, je vous l'ai dit, hein, je suis sur l'avant du pied, mais ce que j'aime bien, c'est vraiment un déroulement... où on appuie très fort, très fort. Oh, c'est rigolo. Ils sont à Glanobe, là. Ryan Trail à Glanobe, qui a lieu en début d'année. C'est là où j'ai rencontré Lai pour la première fois. Salut, Lai. Et là, il parle de Glanobe parce que les vins, le commerce étrusque, ils avaient des comptoirs à Hague, Saint-Blaise, je crois. Et du coup, Glanobe était un lieu de passage pour le commerce de leur verre. Allez, c'est parti pour la dernière série. Donc on est dans le retour cool. Bon, je mouline, je suis descendu donc à 7, 6, 7. Et que dire? Ah oui, je voulais vous dire un truc, c'est que ça, c'est un modèle D4, un Domios. Je crois que c'est l'un des prix d'entrée. D'occasion, c'est un truc que vous trouvez à 100 euros, 150, je sais pas, j'ai pas regardé, peut-être moi même, sur le bon coin. Alors ce genre de vélo a un défaut, c'est sa connectique, elle est fragile. Là, branchez le câble à l'arrière du vélo, et là si vous accrochez le fil, vous cassez. Hein. Donc faites attention, débranchez-le systématiquement entre chaque séance. Et à propos de séance, je vous dis à plus tard pour la séance 2, je vais terminer ça tranquillou, tiens, je vais descendre. Attends, je viens de comprendre aussi un autre sens de ce signe, c'est fou parce qu'on peut l'interpréter de plein de façons.
séance 2, le fartlek. 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2. On change de forêt. Je refais un parcours que je n'ai pas fait il y a très longtemps. Donc je ne sais pas trop comment je vais caler les petits blocs. C'est bien, comme ça j'ai pas de repères. J'en ai tellement pas qu'il se peut, que je me perde. Non mais qu'est-ce que je dis? Je vais me perdre. Mais non, je vais pas me perdre. Débile. Je vais sûrement pas me perdre. Tiens, ça c'est du grès. Ça change du calcaire. Ça a une meilleure adhérence. Même quand c'est mouillé. Surtout quand c'est mouillé. Non, je vais pas me perdre. Peut-être allongé ou à courcir. Je sais pas. Non, je vais pas donner l'impression qu'il y a une forme de suspense. Hein. Un proche de mon entourage regardait une vidéo d'un youtubeur. Le gars, il descend dans une mine. Et comme il se passe rien, ils sont obligés de faire comme s'il se passait quelque chose. Du genre, oh, j'ai entendu un bruit là. Ah, c'est une goutte d'eau. Oh là, il fait noir dans la galerie. Bon, c'est normal. T'es dans une mine. Bon mince, alors moi par contre là, je vais pas me perdre, mais regardez ça. Ça a changé, dis donc. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ça ressemble plus du tout à ce que je mes souvenirs. Là, et oui. Et oui, je suis pour l'instant le... Oh, c'est beau. Non, il n'y a pas de sentier là. Je crois qu'il y avait le balisage qui allait m'aider. Bon, écoutez, l'aventure, c'est l'aventure. Je passe par là. Voilà, je vais couper. C'est un nouveau champ avec la Sainte-Victoire au fond. Ah oui, c'est un nouveau champ. Oh, ah non. Je sais plus qui me disait, envoie-nous un peu de tes chemins secs. Bon, je fais pas exprès là. Je vous l'enverrai pas celui-là. Je vous l'enverrai pas parce qu'il est boueux. À l'issue d'une recherche qui m'a demandé beaucoup d'efforts, j'ai retrouvé l'identité de celui qui me demande de lui envoyer des sentiers secs plus au nord de là où j'habite apparemment. C'est Gilles. Alors Gilles, bien entendu, je ne vais pas t'envoyer ce genre de truc. Tu l'as déjà en stock. Il faut bien entendu voir dans cette séquence une forme de solidarité avec toutes celles et ceux qui à cette saison de l'année patinent un peu dans le gras. Cela dit, j'ai fait un des ultras les plus gras de France, le Trail des Citadelles dans l'Aude. Et si vous voulez des conseils en gras, ben je pourrais à l'occasion vous en donner. J'ai eu 77 ou 76 ou 73, je ne sais plus combien de kilomètres, d'apprentissage du gras tout au long de cette course. C'était extraordinaire. Après quelques chutes, il y a de bons réflexes qui se mettent en place. Et ben, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Je suis dans le col du 6. Et là, il y a, faut que je le montre, un magnifique... Non, ce ne sont pas des toilettes sèches. Non, c'est pas un urinoir de campagne. C'est un magnifique poste de chasse. Comme quoi, le BTP et la chasse, ça va très bien ensemble. Ben décidément, c'est leur truc ici. Il y a quelqu'un? Bon, ça, il n'y a personne. On ne sait jamais. Dans 10 secondes, je pars sur le bloc de 8. Je viens de finir le 8 et j'ai un petit point de repère, vous voyez, car l'idée c'est de le refaire le parcours un peu plus tard dans le cycle ou le prochain cycle, je sais pas d'ailleurs, parce qu'il y a peu de semaines hein, finalement, 5 ça va vite. Ce repère il me permettra de voir comment, dans quel état de forme je serai la prochaine fois. Ça n'a pas trop de valeur scientifique, mais c'est bon pour le moral. Section A6, en descente. C'est intéressant à faire aussi. Je profite du cool du dernier 6 de cette séance. Et là, j'ai un doute. Je crois que je prenais par là pour prendre une bosse.
pour vous donner un conseil, pour pas vous perdre dans votre séance de fartlek, retenez le moment où vous arrêtez l'effort. Donc c'est 2 minutes, 15 minutes, 26 minutes, 36 minutes, 43 minutes et 47 minutes. Voilà, vous avez ça en tête, vous vous repérez, parce que dans l'effort, on a tendance à parfois ne plus savoir où on en est. Oula, ça repart dans 3 secondes. C'est parti. Je suis parti sur un mauvais chemin, mais ça me permet d'en découvrir un nouveau. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. C'est magnifique, ça. Ce qui est magnifique, c'est de s'extasier avec pas grand-chose. Non, il est sympa parce que il va me permettre de connecter d'un vallon à l'autre en faisant un peu plus court. Et comme je suis sur la fin de la séance, là, je suis à la fin du coup du 2, du 4. Il me reste... Et ben voilà, ça a recommencé. Ça recommence tout le temps. Heureusement, c'est moins raide. Ah non. Bien, bien, bien. Je suis à 48, 31 secondes. Donc j'ai commencé mon retour au calme. Et il va être plus long que prévu parce que je reconnais l'endroit là. Très bien ce petit chemin, sauf qu'il m'a fait retourner dans l'intérieur du massif. Mais bon, ça fera un retour au calme sans doute d'une vingtaine de minutes. Donc une sortie. En fait non, ça me dit strictement rien. Je sais pas du tout où aller. Je sais pas où aller, quand on sait pas où aller, il faut toujours monter. C'est la base. Non mais c'est incroyable. Hein. C'est bien ça. C'est une tradition ici, hein, le poste de chasse. Alors celui-là est très beau, en pierre sèche. Beau travail. Très beau travail. Je vais m'acheter un fusil, tiens, ça donne envie. Tu m'étonnes que je perde un peu mes repères. Il y avait des champs là, maintenant il y a des maisons. Je crois qu'avec l'olivier, c'est ce qui pousse le mieux dans le coin. Oh là, oh là là. Séance 3, panoramique. Et pour débuter cette vidéo, non pas un conseil, mais une devinette. Parce que ça m'amusait, quoi, en fait. Qui a dit En Marche? Oui, pardon, En Marche, il faut que je rappelle ce que c'est En Marche. En Marche, c'était le nom du parti créé par Emmanuel Macron, qui, pour sa réélection, a renommé le parti Renaissance. Enfin, Renaissance, mais sans Montaigne, sans Léonard de Vinci, sans Erasme, quoi. Mais avec cette femme politique qui a dit donc cette phrase, En Marche, ce sont des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Voilà, à vous de trouver. Bien entendu, elle a intégré le gouvernement, un poste plutôt étonnant, dois-je dire, compte tenu de son pédigré. Vous devinez que, venant d'où elle vient, c'est-à-dire pas En Marche, pas Renaissance, de notre parti, elle a été immédiatement radiée de son parti, exclue de son parti, pour traîtrise. Comme quoi, sa phrase, elle est peut-être exacte, en tout cas, elle valide ce qu'elle avait dit il y a quelques années. Je peux vous dire que on a beau être dans une des régions métropolitaines, j'insiste bien sur le métropolitain, une des régions les plus métropolitaines de France, dans le sous-bois, il fait frais. Il fait vraiment frais. Je pense qu'on est au moins là aujourd'hui à 10 degrés, quoi. 10 degrés, c'est froid.
pour des gens comme moi, c'est froid à 10 degrés, bien sûr. Oula. On doit faire moins que 10, puisque les sols sont pas, par endroits sont pas dégelés. Donc il fait, je sais pas, ça se devine ça, ce genre de température. Aujourd'hui, séance 3, sortie longue. Le thème, c'est grand angle, panoramique. Là, il y a un espace totalement inexploré qui part en direction de la Sainte-Baume. Tout un terrain de jeu que j'ai jamais exploité. Celui d'aujourd'hui, je connais le début, la moitié du milieu et la fin, mais il y a une moitié du milieu que je connais pas. On me demande souvent, enfin il est arrivé qu'on me demande pour une sortie si j'avais, je crois, un fichier GPX, je crois que c'est ça, j'en suis même pas sûr. La réponse est non, j'en ai pas, parce que je fais jamais un truc préétabli. J'ai mes repères. Parfois j'en ai pas, je découvre les parcours en une ou deux sorties ou trois sorties, ça arrive, mais après j'ai mes repères. Alors là on est dans ce massif qui est plus dans le Var que dans les Bouches-du-Rhône, le massif des Monts Aurélien. Et donc ce massif des Monts Aurélien, je le connais mal, mais suffisamment pour pas me perdre. Première question de Gil, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. Est-ce que je vais faire une vidéo, c'est plutôt une demande qu'une question d'ailleurs, est-ce que je vais faire une vidéo sur comment prévenir, comment éviter les blessures? Alors deux choses, non trois. Première chose, je suis remonté là. Mais c'est excellent pour travailler le souffle. Parler en même temps. Regardez là, cet espace là, énorme. À explorer, magnifique. Deux. Faut tout d'abord que je termine ma série sur les causes qui amènent à une DNF. J'en suis, en me basant sur l'étude qui avait été faite sur l'UTMB et la TDS, à la fatigue générale. Sachant que pour moi, la fatigue générale, ça ne veut rien dire. Si tu t'arrêtes, c'est pas que t'es fatigué, c'est que t'es plus dans la course, t'as lâché niveau mental. C'est pas un reproche, c'est pas une honte, mais c'est la réalité. Parce que un pas après l'autre, même fatigué, t'avances. Donc je vais faire une vidéo sur quelques conseils qui me servent, que j'utilise pour garder le moral tout au long d'un ultra. 3. Sur ce sujet des blessures, je peux un peu en parler, mais franchement, allez voir un youtubeur qui a vraiment été confronté à ça, parce que moi ça m'est quasiment pas arrivé. Mon gros truc le plus embêtant, c'est tendinite au genou. Ça m'est arrivé sur mon premier ultra avec d'énormes ampoules, l'ultra trail du Pas du Diable, ça remonte maintenant. 2017, il y avait les lapins runners sur le départ. Une époque où j'avais pas de cam et je me suis dit, mais c'est quoi ces gens avec une caméra? C'est n'importe quoi. Surtout que je crois qu'ils avaient des oreilles de lapin. Bon. Amir et Caro, si je me trompe pas. Et donc, je peux vous parler des raisons peut-être que l'on peut avancer. Oui, l'autre fois où j'ai eu des tendinites, c'était en août 2022. Sur la 6000... Sur quelle course? Peut-être la 6000D, là, il y a trois d'un coup. 6000D, Mara Trail d'Orcières et UTMB. Donc je peux peut-être parler de la manière dont... Un, les raisons éventuellement pourquoi je n'en ai pas, mais peut-être tout simplement c'est parce que j'ai une bonne constitution. C'est comme ça, hein. C'est souvent injuste. Deux, plus intéressant,
des stratégies que j'ai mises en œuvre, surtout à l'UTMB 2022, pour pas lâcher, parce que ça m'est arrivé au 40e, je crois. Voilà. Bientôt, on a terminé cette montée. Et on va pouvoir passer à d'autres questions. Sainte Victoire, Mont Ventoux dans l'Axe, Montagne de Lure, qui elle aussi a un tout petit peu de neige. Au fond dans l'Axe, mais les Alpes. Les Alpes, je distingue, oh, je m'avance un peu, mais je crois voir le sommet le plus au sud des Alpes, qui s'appelle le Sirac. Alors les Alpes, j'entends les écrins. Puis on voyait aussi, ça va disparaître, dans le creux là, il y a les montagnes au-dessus du Verdon, Mour de Chaniers notamment. C'est bien ça, Vieux Chaillol, Sirac, massif enneigé à gauche, à droite, les pré-Alpes de Digne avec l'Estreux, je crois, et puis le Verdon avec le Mour de Chaniers. Bon, on voit Lure aussi, on commence à se décaler par rapport à Lure, ce qui me permet de répondre à une question de Dorto, qui n'intéresse que Dorto et moi-même d'ailleurs, c'est est-ce que cette année tu seras sur le THP ? Oh, pff, ouf, ça je le garde, là la baffe, là la gifle de l'arbre, c'est super, magnifique. Est-ce que je serai sur le THP ? Ben non, je n'y serai pas. Si je dois faire un truc à Lure, c'est tellement pas loin de la maison que ça sera off, hein. Pas la peine d'y aller avec un dossard. C'est cool cette apique, ça doit faire 50 mètres. Et on passe à la question de Jérémy. Jérémy de la chaîne The Pueco Running Project. Jérémy qui est un expert, un docteur S Saint-Élion, et qui me demande avec beaucoup d'humour, parce que la dernière fois, lors de la première semaine d'entraînement, j'ai rallongé mon fartlek, j'en ai ajouté quoi. Il me demande, est-ce que changer son plan de fartlek, est-ce tricher ? Ben la réponse, c'est si t'en rajoutes, ben non, tu triches pas. Si t'en enlèves, tu triches, voilà. La tricherie, si c'est pour faire plus compliqué, c'est pas de la triche. C'est comme les raccourcis, les rallongis. Il y en a un des deux qui est pas un cadeau. On est sur la fin de la section Belvédère et on va prendre une descente bien technique, comme la région en offre tant. Bon, elles sont toutes courtes par contre, hein. On n'a pas de grande descente ici. L'occasion, en regardant où je mets les pieds quand même. Regardez, info. Faut regarder où on met les pieds là. Ouais, ça va revenir plus calme. Alors l'occasion de répondre à la question de Camel 357. Oui, parce que il y a plusieurs camels. Enfin, je crois. La question est la suivante. Tu n'utilises pas de sac d'hydratation quand tu cours. Ben, j'en ai un là aujourd'hui, mais j'ai pas pris les flasques. Je dis pas que c'est bien. Je vous dis, conseille même pas de le faire. Tout simplement, moi, je n'ai pas besoin pour des sorties d'une petite vingtaine de kilomètres. Avec ce type de dénivelé, à cette saison, j'ai pas besoin vraiment de me trimballer de l'eau. J'en ai suffisamment dans le corps. Et puis, Kamel aussi me demande, à propos toujours de cette fameuse vidéo, c'est la meilleure vidéo que j'ai faite sur l'hydratation, il me demande, quand tu parles de boissons isotoniques à ne pas prendre, est-ce que c'est une marque en particulier ? Il donne une marque, je ne vous dis pas laquelle, hein, c'est une marque qui commence par ISO et qui finit par Rosta. Si tu vois ce que je veux dire. Non, Kamel, c'est toutes les boissons ISO. Hein.
ça sert à rien dans l'optique de l'hyponatrémie. Merde, j'avais dit que je disais plus ce mot. Je vais dire. Par contre, oui, pour l'hyperglycémie, si tu veux, tu prends des boissons iso. C'est fait pour ça à la base, en fait. Parce que l'assimilation des sucres rapides par la boisson se fait plus vite. Donc c'est intéressant dans ce contexte-là. Mais franchement, tu mets du sirop dedans, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est mieux. Du sirop de citron, bien sûr. Ou de fraise. Ou de fraise. On se fait plaisir. On engage un peu. L'entraînement, c'est un peu fait pour ça. De temps en temps, se faire plaisir. Alors, tu vas me dire, à quoi ça sert d'avoir un gilet d'hydratation sans les flasques? C'est vrai, c'est totalement idiot. Non, je le prends parce que c'est plus pratique pour ranger les affaires, lunettes de soleil et autres éléments. Alors là, autant vous dire que je suis dans la partie découverte. Je prends à gauche. Je reste sur la piste. Je prends à gauche. Partie découverte. Toujours cool d'avoir des zones que vous connaissez pas pour la sortie longue. Ça permet d'enrichir les possibilités pour vos entraînements et d'éviter toute forme de routine. C'est pas les possibilités là qui manquent ici. Je me suis mis dans un endroit là. C'est génial. Oh là, superbe. Superbe. Oh, 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 oh. Yeah. Yeah. Que la petite branche dans la tête, c'est tout. C'est du direct, hein. Je découvre en même temps que vous. Ça patine dans la boue. Nous aussi, on a de la boue. Le centre, le nord, vous avez pas le monopole de la boue. Nous aussi, on en a un peu. Alors là, je m'arrête immédiatement. Regardez ça. Je savais pas que je tomberais dessus. Ça, pas la bassine bleue à côté. Ça, là. Avec écrit dessus une inscription en latin. Je crois que c'est pas l'original. Je crois que l'original est au musée de Brignoles. Il s'agit d'une borne milliaire. C'est-à-dire une borne qui est placée par un empereur romain pour indiquer qu'il est à l'origine de la voie romaine ou des réparations qui ont été faites. Je sais pas, là franchement, je sais pas qui c'est. Je vois très mal. Je vois très mal, mais alors très très mal. L-A-M-M-C-O. J'en sais rien. Alors, le problème, quand même, dans cette histoire, c'est que je suis déjà passé par là avec GG. Le GG, il y a une époque où j'avais pas de caméra et je sais pas comment je vais connecter avec l'autre côté. Suspense parce qu'il y a quelques propriétés privées. Donc on va voir. Non, mais il faut être positif. Vous allez me dire, mais elle est où la voie romaine? Ben, je sais pas, mais il y avait une voie romaine qui passait par là. Et maintenant, si on réfléchit un peu, un tout petit peu, la coïncidence a l'air trop belle pour que ça soit vrai, mais on peut se dire que si ça s'appelle les Monts Auréliens, ça serait donc peut-être la voie Aurélia, si tant est qu'elle existait. Donc, moi je veux aller au purée, d'accord. La propriété privée est là. Moi, je veux aller par là, tiens. On va tenter ça, parce qu'il y a des propriétés privées, et évidemment, le but, c'est d'arriver à connecter sans passer par les propriétés privées. Et ce chemin a l'air pensé pour ça, ou pas, je sais pas. Oui, cette borne milliaire se trouvait bien sur la Via Aurelia,
Mais dans la vidéo, j'ai failli dire une bêtise. Je sais pas, parce que Via Aurelia, ça me fait penser à l'empereur Aurélien. Mais cet empereur Aurélien n'a rien à voir avec la Via Aurelia. Cette voie romaine doit son nom à Caius Aurelius Cotta, un consul du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il n'en est peut-être pas à l'origine, mais en tout cas, c'est lui qui l'a mise en service et elle partait de Rome pour aller jusqu'en Espagne. Borne milière, parce que ces bornes étaient disposées tous les 1000 romains, c'est-à-dire 1,480 km. Ce qui signifie que les prochaines doivent être à 1480 avant ou 1480 après. On le saura peut-être lors d'une prochaine sortie. Mais certainement pas, parce que ces bornes, pour la plupart, elles ont été renversées ou réutilisées dans d'autres bâtiments. Et quand elle est renversée ou réutilisée dans un autre bâtiment, eh bien, tu la vois plus. Ou tu la vois mal. Celle-ci a été découverte par un agriculteur. Il travaillait dans son champ, il est tombé sur ce bloc, il a vu qu'il y avait une inscription, il a prévenu l'archéologue du coin de l'époque, un certain Rostand, qui est venu l'identifier. Et je me suis trompé, elle n'est pas du tout au musée de Brignoles. Elle se trouve, l'original, hein, parce que ce que vous voyez à l'image, c'est bien un facsimilé. Elle se trouve, c'est d'ailleurs une bonne idée d'avoir remis in situ la borne et faire un facsimilé, comme ça elle s'use moins. Donc l'original se trouve dans le couvent royal de l'abbaye de Saint-Maximin à Sainte-Baume. Enfin, dernière info que je peux vous donner sur cette borne, dont j'ai pas du tout réussi à lire l'inscription, elle date de l'empereur Claude. Claude, c'est 1er siècle après Jésus-Christ, c'est quelques empereurs après Auguste et juste avant Néron. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit ce que je dis dans la vidéo, elle signale qu'une partie de cette Via Aurelia a été refaite aux frais de l'empereur Claude. Merci Claude! Je tiens à signaler que je ne suis absolument pas professeur d'histoire. Parfois, on me dit « t'es professeur ». Mais non, je ne suis pas professeur d'histoire. Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est vrai. Hein. Je n'ai pas fait d'études d'histoire. Je ne suis pas allé plus loin que les cours de terminale. Basta così. C'est beau aussi, là. Sont belles ces propriétés privées là en bas, elles sont magnifiques. Bon, le problème c'est que comme elles sont privées, tu peux pas les traverser. Donc j'improvise encore plus que prévu et je me tape une DFCI défoncée qui va me ramener beaucoup trop, mais alors beaucoup trop à l'est. Bon, l'essentiel y sera, hein, puisque l'idée c'est faire 1200 de D plus et moins sur cette sortie. Bon, le chrono va être catastrophique. La dernière fois, je me suis gavé. Ouais, je peux dire ça, je me suis gavé. Mais là, ça va être catastrophique. Mais bon, on était à 800. Les Montréliens, c'est un peu plus de 800, je crois. Et là, on est reparti. On devait être à 300 et quelques mètres. Il nous faudra bien 300-400 pour remonter sur le chemin qui passe sous les barres des Monts Aurélien. Et puis après, c'est pas fini. Il y a une série de petites bosses, pas méchantes, mais qui vont bien faire leur petite centaine de D+ cumulés. Le chrono est claqué. Et là, voilà, je me suis aperçu de ça. Là. Un petit sentier qui a l'air bien tracé. Alors comme le chrono est claqué, ça vaut le coup de voir ce que c'est. Quand j'ai le chrono claqué, c'est que je vais être au-delà de ce que je m'étais donné, c'est-à-dire 2h30, quoi. Donc, je sors du cadre. Mais c'est un acquis pour la prochaine sortie. Ça peut peut-être faire des combinaisons sympas, tout ça. Ça va le faire. Je vais faire les 1200. Et malgré tout, tout se finit très bien puisque c'est incroyable. Là, c'est la descente finale. Voilà, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez. 1200
1 mètre descente finale dans un quart d'heure on y est. 16h02, je suis parti, il était 13h, quelque chose comme 13h15 quoi. Pour combien? J'ai fait combien? C'est bien ça, la montre. Là je suis à 12.3. Et puis sinon j'ai fait 25,99, bon 26 quoi. Surtout qu'on n'est pas encore arrivé. 1203. ,56. Décidément, je vois de plus en plus mal. Alors c'est quoi donc qu'on va faire la semaine prochaine? Bah tout d'abord, on se refait une séance, une vélo d'appart. Même principe que cette semaine, du fractio 10 minutes 30-30. Mais au lieu de faire deux séries, on en fait trois. Voilà. Séance numéro 2, ce sera du spécifique. Monter. Alors comme j'aime pas monter, descendre la même côte X fois, je vous proposerai un truc un peu différent. Et enfin, une troisième sortie, c'est une séance 3 longue. Peut-être que je reviens ici parce que j'ai repéré quelques petits sentiers qui peuvent me permettre de maintenir à peu près le même dénivelé en évitant d'aller jusqu'aux propriétés privées. Vous savez tout. Et c'est sur ces belles images que cette vidéo s'achève. Je vous promets pas le soleil, je vous promets pas la boue, mais je vous dis à très bientôt. Banzai!